Voilà, c'est son salon libéré. Au bon forme, c'est son. Et bon, tout le monde va être penché et moi, c'est tout le monde juste, ok? Actuellement, c'est son talent libéré. Comme dit la presse, comme dit la presse, je vous remercie pour l'accompagnement que nous avons fait sur le salon. Cher son, nous comptons la même information. Merci pour mettre nos confiances de presse. Ok, pour mettre nos confiances de presse. Dis-le nous commençons toujours dire là après libération ça. Après 10 ans, prison. Après 10 ans, prison, comment ça se dit? Bon, là-bas, en forme, on va sortir une cavalée. Nous remercions nous et nous promettons nos conférences de presse. Ok, merci à vous. Ok, merci. Je vais faire un annonce en public sur la radio et nous promettons ça. Ok. Salut. Et la presse en ligne, écrit et télévisé, et dans la salle de tout le monde, et qui a suivi, qui a suivi l'audience, et nous saluons tous les journalistes, tous les avocats, qui étaient là dans l'audience. Et nous tous, beaucoup à que, et Gerson Sanon, c'est un jeune garçon qui a été arrêté le 13 juillet. 1er juillet 2013, nous avons arrêté pour dénonciation calomnieuse à l'association malfaiteur. Mais malheureusement, pour une association malfaiteur, il faut que tu aies gagné plusieurs personnes et que c'est malheureusement c'est seul monsieur qui l'a. Pas gagné l'autre monde qui a poursuivi, donc pas gagné association malfaiteur. Donc, et tribunal là lui-même, lui jugé que Chelson est coupable de dénonciation calomnieuse. Étant donné que lui est en fait 10 ans là en prison, la condamné, le tribunal a condamné lui pour lui passer un an, pour faire un an en prison. Mais pendant la bénéficier, la loi de l'Espina, ça veut dire la libérer jodia. Nous pas faire appel parce que appel là n'est pas bon pour nous. Mais cependant, les gens qui étaient piégés chez son salon, à savoir Pierre Espérance, qui étaient relé chez son, qui étaient préparé plainte, qui étaient écrit papier, et puis étaient forcé, monsieur, jouer sous chez son salon pour faire signer papier, eh bien, nous allons intenter une action contre Pierre Espérance. Parce que la loi dit. Les gens qui font des qui causent des dommages, qui causent subir des préjudices, article 1168, 1169 Code civil, ils ont une possibilité pour intenter une action contre un dommage intérêt. Donc, le fait même que M. passé 10 ans dans la prison pendant que innocent, donc n'a pas intenté une action en dommage intérêt contre Pierre Espéron. Thank you.